Littleton est un jeu de pose d'ouvriers et de placement de tuiles. Les joueurs sont des architectes chargés de construire une ville sur une verte et belle prairie. Le plateau est posé sur la table, face au choix. Les tuiles champs de blé sont placées sur l'emplacement correspondant du marché. Les tuiles restantes sont mélangées et 12 entre elles sont posées au hasard sur le marché. Pour une première partie, il est conseillé d'utiliser les bâtiments avec un symbole de rouge-gorge. Les cartes objectives sont mélangées. Le nombre que chaque joueur reçoit dépend de la configuration du jeu. 4 à 2 joueurs, 3 à 3 joueurs, 2 à 4 joueurs. Attention, certains objectifs demandent que certaines tuiles soient disponibles sur le marché. Chaque joueur prend les ouvriers et les bâtiments de sa couleur, puis reçoit 3 pièces de 1. Le nombre de pions dépend du nombre de joueurs. 5 ouvriers et 7 bâtiments à 2 joueurs, 4 ouvriers et 6 bâtiments à 3 joueurs, 3 ouvriers et 6 bâtiments à 4 joueurs. Les pions points de victoire sont placés sur le numéro 0 de la piste de score. Le pion de manche est posé sur le numéro 1 de la piste de manche. Dans Littleton, les joueurs jouent les uns après les autres. Une partie dure 4 manches, et chaque manche est découpée en 3 à 5 tours suivant la configuration du jeu. Lors de son tour, le joueur actif doit faire l'une des deux actions. Placer un ouvrier sur le terrain, construire un bâtiment. Lorsqu'il choisit de placer un ouvrier, le joueur pose l'un de ses ouvriers sur un emplacement libre de la prairie. Il ne peut le mettre que sur l'herbe. Il récolte ensuite les ressources et peut activer les bâtiments des 8 cases qui entourent son pion. Les forêts donnent du bois, les montagnes de la pierre et les lacs du poisson. Les éléments donnés par les bâtiments activés sont notés en bas de la tuile. Activer l'un de ces bâtiments est gratuit, mais si le joueur veut activer celui d'un autre, il doit le payer une pièce. Un bâtiment ne peut être activé qu'une fois par tour, et l'activation n'est jamais obligatoire. Lorsqu'il choisit de construire un bâtiment, le joueur place l'un de ses ouvriers sur le chantier. Il choisit un bâtiment encore disponible et paye les ressources demandées. Elles sont indiquées en haut, à gauche de la tuile. Le joueur place ensuite le bâtiment sur une case d'herbe vide. Il place l'un de ses pions bâtiments pour indiquer qu'il lui appartient, et gagne ensuite les points de victoire indiqués en haut, à droite de la tuile. Indépendamment de l'action choisie, le joueur peut valider une carte objective s'il remplit les conditions, et échanger 3 pièces contre une ressource de son choix. Lorsqu'il valide une carte, il gagne immédiatement les points de victoire qui sont inscrits dessus. Le tour passe ensuite au joueur suivant. La manche prend fin lorsque les joueurs n'ont plus d'ouvriers disponibles. Les bâtiments spéciaux sont automatiquement activés s'ils sont en jeu. Les joueurs doivent nourrir leurs ouvriers. Chaque ouvrier mange un poisson ou un blé. S'il ne peut pas payer, le joueur perd 3 points par ouvrier affamé. Chacun récupère ses ouvriers et le pion de manche est avancé d'une case. Le pion premier joueur passe au joueur suivant. Lors de la quatrième manche d'une partie à 3 joueurs, il revient au joueur qui a le moins de points. La partie s'arrête à la fin de la quatrième manche. Les joueurs doivent quand même nourrir leurs ouvriers et gagnent 1 point tous les 3 pièces. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie